Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un menu que j'ai fait pour le foyer du troisième âge. Donc, on va faire la pochette qui se présente comme ceci et le menu qui va se glisser à l'intérieur. Donc, c'est une superposition de papier et la petite pochette. Donc, je l'ai faite dans du cardstock blanc. Après, je vous donne les mesures, mais vous pourrez mettre les mesures qui vous conviennent. Il n'y a pas de souci. Vous adaptez. Donc j'ai fait une bordure avec ma perforatrice de bordure. J'ai mis bien sûr du ruban puisque vous savez bien que moi je mets du ruban un peu partout. Et donc là je vais vous montrer la pochette et je vous ai fait un gabarit où vous verrez j'ai mis les mesures et tout ça. Donc j'ai arrondi les angles avec une perforatrice d'angle. Donc voilà. Elle se présente comme ça. Elle fait 21 cm de longueur. D'ailleurs, je l'ai mise à l'envers apparemment. Donc oui, je vous fais une voix off parce que j'ai pas pu filmer. Parce que mon mari était à la maison. Et comme on regarde la télé en bas et que je scrape en bas, eh ben, je ne pouvais pas filmer. Voilà. Donc elle fait 21 de hauteur. Et 11,5 de large à la basse. À la base, pardon, parce qu'il faut compter le demi-centimètre pour plier la carte. D'ailleurs, je vous conseille pas de mettre un demi-centimètre, mais un centimètre pour plier, parce que ce sera beaucoup plus simple. Un demi-centimètre, c'est quand même petit. Donc, pour le pli se fait à 6 cm du bas de la carte. Voilà. Et ensuite, il vous faudra aussi, pour la bordure dans le papier rouge, une bordure de 10,5 par 2,5. Et sur ce morceau, donc j'ai passé ma perforatrice de bordure pour que ça fasse joli. Et par-dessus, j'y ai collé donc le ruban qui fait 11,5 cm parce que je l'ai plié sur l'intérieur de façon à avoir une belle finition sur les côtés. Donc là, je vais vous découper. Bon, moi, mes gabarits étaient déjà tous faits, donc c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Je l'ai fait sur une feuille d'imprimante en 80, toute simple, hein, c'est juste pour vous montrer un peu la largeur et ce que ça donne. Donc voilà, elle fait en haut elle fait 10,5 et en bas elle fait 11,5 pour ce qu'il a les ailettes. Mais moi, comme je vous dis, je vous conseille de faire 12,5 en bas de façon à avoir des ailettes un peu plus larges. Voilà. Et ensuite, donc, à 6 cm du bas, vous faites votre trait de rainurage pour avoir le revers de la pochette. Donc voilà, ben, je vous montre hein, donc, la pliure sur les côtés et la pliure ensuite à 6 cm. 6 cm. Oui, à 6 cm. Donc là, je marque mes plis. Comme c'est du cardstock, je vous conseille de bien marquer vos plis avec le plioir, etc. Et ensuite, on fait le pli à 6 cm. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Une petite pochette. Voilà, c'est rien de bien sorcier. Hein. Tout le monde peut le faire. C'est hyper simple. Ensuite, donc voilà, j'ai fait. Donc sur la première, j'avais mis de la bordure sur les deux côtés. Et finalement, je l'ai fait que sur le haut parce que je trouvais que ça faisait pas. C'est pas que ça faisait pas très joli, c'est surtout que 2,5 cm, ça faisait pas assez large. Et le ruban couvrait trop les bordures. Ou alors il aurait fallu que je prenne un ruban plus petit. Mais bon, c'était pas prévu. Donc pour le coller, j'ai utilisé cette colle qui est de la marque Giotto. C'est la marque qu'on sert beaucoup dans les écoles. Et en fait, celle-là, je l'avais eue sur, une boutique qui a fermé, qui s'appelait Art 3000. Et donc, il l'est bradé. Donc, j'avais payé les tubes, 70 centimes le tube. Donc, j'avoue qu'elle colle vraiment super bien. Et elle ne fait pas gondoler le papier. Parce que l'embout, c'est une petite mousse. Donc, du coup, vous n'en mettez pas beaucoup. Et du coup, je me suis servi quasiment que de celle-là pour faire toutes mes pochettes. Donc là, après le ruban, vous allez le couper à 11,5. Alors, vous allez voir que je n'ai pas utilisé, enfin, quasiment pas de double face. Parce que là, j'ai ressorti mes calendriers de l'avant qui étaient donc dans une caisse en plastique avec mes décos de Noël.
Et je les avais faites, donc bah, je commençais vraiment le scrapbooking à Noël dernier. Et du coup, j'utilisais énormément le scotch double face de chez Action. Et en fait, bah, tout est décollé. Donc, je suis dégoûtée, quoi, parce qu'en fait, ça veut dire que tout ce que j'ai fait jusque-là, j'ai utilisé ce scotch, et bah, tout est décollé. Donc, voilà, tous ceux à qui j'ai offert des albums et tout, j'espère que bah, ça ne va pas se décoller pareil, parce que franchement, je suis dégoûtée, quoi. Donc, voilà. Donc, le double face, je l'ai juste mis sur les rubans, mais j'ai rajouté quand même un petit point de colle pour être sûre. Et là, j'ai pris la colle Tessa, là, qu'on trouve chez Action. C'est la première fois que je m'en sers et j'en suis mais super contente. Je ne sais plus quelle youtubeuse j'avais vu s'en servir. Je crois que c'est Créamélane, mais j'en suis pas sûre. Et franchement, j'en suis vraiment contente parce que elle est vraiment bien. Donc le bruit que vous entendez derrière, ce sont mes chatounets qui s'amusent et qui sautent sur les sacs et en papier. Et voilà. Donc ils font un petit peu de bruit. Mais ils sont trop mignons. J'adore. Donc, après avoir mis un petit peu de colle sur le papier rouge, je viens y coller mon ruban de décoration. Voilà, donc là j'ai pris du noir parce que j'avais plus de clair, donc j'ai terminé avec le noir. Je coupe bien à ras de mes ailettes. Donc vous voyez, en fait, je fais aussi coller sur les ailettes parce que comme ça me permettra d'avoir une super tenue au niveau du ruban et je suis sûre qu'elles ne se décolleront pas. Et ensuite, donc, bah, pour les petites ailettes, pareil, j'utilise cette colle-là de chez Tessa, qui a un petit embout. Et franchement, c'est tip-top. Donc, c'est nickel. Alors, je me suis lancée dans ces menus. J'ai adoré les faire. Hein. Franchement, c'était vraiment bien. Mais c'était très, 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 très long. Bah, d'ailleurs, je le dis sur la dernière partie de la vidéo. Mais je suis contente. Je trouve qu'ils ont un bon rendu. J'aurais même rajouté une petite décoration, mais bon, après, ça fait trop chargé. Et puis bon, voilà quoi. Donc, je pense que ça devrait le faire comme ça. Donc là, avec le plioir, j'appuie bien partout où j'ai collé. Je vais venir arrondir mes angles. Voilà. Hop. Après, vous n'êtes pas obligé d'arrondir les angles, hein, mais moi, je trouve que c'est plus doux. Et voilà, c'est une finition à son goût, hein, tout simplement. Donc voilà la petite pochette, donc là elle est faite sur du papier et ça nous donne ça. Et donc après vous avez votre petite carte, hop, qui va venir se glisser à l'intérieur. Voilà. Donc ensuite je crois que je vous montre la carte. Voilà, donc j'ai une base de papier rouge, donc c'est du papier canson, hein, c'est du 180 grammes je crois. Donc, mon papier rouge fait 14 par 10. Ensuite, je vais venir y mettre un rectangle de cardstock blanc qui lui fait 13 par 10. En fait, j'enlève 1 cm à chaque fois. 13 par 9, pardon. Voilà. Ensuite, je vais venir y poser mon papier de décoration. Voilà. Celui-là fait 12 par 8 cm. Voilà. Et ensuite, je vais venir y mettre mon menu. Mais non, pas du tout, parce que vous verrez qu'avant la fin de la vidéo, j'aurai changé d'avis. Donc, le menu fait 11 par 7. Mais n'en tenez pas compte, parce que plus tard dans la vidéo, vous verrez que j'ai rajouté un autre morceau de papier blanc, qui est du papier photo glacé, qui fait un effet un peu brillant, hein, puisque c'est glacé. Et donc je vais mettre celui-là, et par-dessus je mettrai mon menu, qui du coup sera légèrement plus petit, sur la taille du papier. Donc là j'ai pris 4 modèles différents, en fait c'est un bloc de l'année dernière de chez Action. Donc de toute façon il faut que je les utilise, hein, parce qu'on stocke en stock, mais il faut utiliser. Donc du coup voilà, j'ai pris ce bloc-là. Et dedans, j'y ai découpé tous mes papiers de décoration. Donc voilà, là, je les avais tous découpés d'avance, hein, avant de commencer à tourner la vidéo. Voilà. J'essaie de m'organiser un peu sur mon bureau, parce que je ne vous explique même pas, il y en avait partout. Donc pour commencer, on prend sa petite cartonnette rouge et la cartonnette blanche.
Donc je vais venir y mettre donc ma colle Giotto, la colle scrapbooking. Voilà. Donc j'en mets un peu partout histoire que ça colle bien. Voilà. Et je viens la coller en faisant en la matant quoi en fait. Hein. Voilà, en laissant un demi centimètre de chaque côté à peu près. Voilà, vous appuyez bien avec le plioir, histoire de bien étaler la colle et que ça prenne bien partout. Voilà. Et ensuite, et ben vous allez faire pareil avec le papier de décoration. Donc toujours pareil, on en met partout, histoire que ça prenne bien partout. Et pareil, on va venir mater à un demi centimètre partout. C'est tout simple, hein. C'est vraiment une superposition de papier. Hein. C'est vraiment pas compliqué, tout le monde peut le faire. Hein. Même les enfants peuvent le faire. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, bah, vous viendrez y coller le menu, mais pas du tout. Vous ne viendrez pas y coller le menu parce qu'on mettra autre chose avant. Et vous voyez, ça rentre parfaitement dans les pochettes. Voilà. Donc bien sûr, je vais vous laisser. Je vais faire mes 54. Et parce que là, bah, j'ai pas tout à fait fini. Hein. Je vous montre un peu ce que ça donne. Mais j'en ai encore beaucoup à faire. Donc je vais les faire et je reviens dans la vidéo suivante. Ne partez pas. Recoucou. Donc voilà, j'ai terminé toutes mes cartes, mes superpositions de cartes. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai découpé donc des petits bouts de papier dans du papier photo, voilà, dans des cartes de photo qui font 7 par 10. Voilà, 7 par 10. Et ensuite, donc mes menus feront 6 par 9. Voilà, comme ceci. Donc comme vous voyez, ce sont des papiers blancs. Donc du coup, je les ai ancrés sur tous les côtés avec de la Versafine Red Fine, je ne sais plus, le focus ne se fait pas, donc du coup, voilà, ouais, c'est de la Red, rouge quoi, hein, tout simplement rouge. Et donc j'ai ancré aussi, pareil, tous les menus. Et maintenant, ben, il ne reste plus qu'à venir les coller au-dessus, mais cette fois-ci, je ne vais pas les coller directement dessus, je vais y mettre de la mousse 3D de chez Action, histoire de leur donner un petit peu de relief. Et à la fin, donc, je mettrai mon petit enamel dot rouge brillant, rouge pailleté, sur un petit flocon de neige. Donc là, je cherche, c'est glitter rose, red, pardon. On voit rien. Je sais pas pourquoi il fait pas le focus cet appareil, ma foi. Voilà, il y a un tout petit embout et franchement, c'est vraiment bien. C'est une bonne marque, hein, nouveau, je sais pas. Donc, dans mes chutes de papier rouge, j'ai découpé plein de petits flocons avec une petite perforatrice que je viendrai coller sur le bas de mon menu ou sur le haut, je ne sais pas encore, on verra. Donc là, bah, je vous le présente sur le bas, mais bon, je ne sais pas encore, je pense que ça sera là. Donc j'en ai fait des blancs aussi parce que je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser. Mais à mon avis, ce sera le rouge parce que le blanc, vous voyez, il ne ressort pas du tout. Donc je pense que ce sera les rouges. Ah, du coup, j'ai 3 tonnes de petits flocons blancs, mais c'est pas grave parce que je vais pouvoir mettre dans les envois. Parce que c'est toujours bien d'avoir des petits flocons. On met dans sa boîte de Noël et puis nickel, on les a. Donc là, je vais prendre ma petite mousse 3D. Donc je vais prendre la plus épaisse parce que dans les blocs de chez Action, il y a 3 hauteurs ou 4 hauteurs, je ne sais plus. Donc je vais prendre la plus épaisse pour mettre sur le papier photo blanc. Et ensuite, je prendrai la plus fine pour mettre sur le menu. Voilà, donc j'en ai... en fait, j'en mets 3 tonnes sur la première carte. Mais finalement, je crois que j'en ai mis que... Là, j'en ai mis 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Moi, j'en ai mis une quinzaine, en fait. Pour que ça prenne un peu partout. Et après, sur la fin, ben, on en met un peu moins parce que
pas nécessaire d'en mettre autant. Ça colle très très bien et voilà, c'est pas nécessaire. Puis en plus, bah, ça prend vraiment beaucoup de temps. En fait, ce sont toujours les finitions qui prennent beaucoup de temps. Donc voilà, bah là, si vous voulez, vous pouvez passer en accéléré, hein, parce que c'est long, c'est pas très instructif. Voilà, regardez mettre des petits bouts de mousse 3D. Voilà, c'est pas folichon. Bah sinon, quoi vous dire? Ça y est, nous avons fait notre sapin. Les chats ont élu domicile sur le tapis du sapin. Vous savez, les tapis ronds là qu'on met sous les pieds de sapin, là. Voilà, bah, ils dorment là. J'ai mis deux grosses écorces par terre et ils s'éclatent dessus, ils se font les dents. Voilà quoi, la vie des chats, tranquille. Ils sont trop mignons, on est trop contents en fait de les avoir. Voilà, sinon bah, les fêtes de Noël se préparent tout doucement. J'ai commencé ma déco. Du coup, c'est très épuré cette année parce que bah, y a deux petits fous dans la maison qui mettent un peu le bazar. Donc voilà, on a l'impression d'avoir Godzilla dans la crèche. C'est rigolo. Mais pour l'instant, ils n'ont pas cassé. On verra bien. Ils ne sont pas tombés avec le sapin non plus. On verra bien. Voilà, donc voilà, je enlève toutes mes petites opercules. Ça, c'est long d'enlever les opercules. Oh là 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 là. Voilà, 2 minutes de vidéo juste pour voir des petits carrés de mousse. C'est merveilleux. Et après, ben, on va venir la coller au milieu en laissant toujours pareil, un demi-centimètre. Voilà, vous la centrez au mieux que vous pouvez. Hop, voilà. On appuie bien. Alors, chose à ne pas faire parce que comme j'ai ancré, eh ben, en fait, il vaut mieux la poser à l'envers sur la table et appuyer sur le dos pour pouvoir coller les mousses. C'est ce que je vais faire après. Mais bon, voilà, autrement, vous allez mettre de l'encre partout. Et donc ensuite, pour le petit menu, je vais mettre la mousse la plus fine. Voilà. Parce qu'autrement, ça aurait donné trop de hauteur. Ça n'allait pas. Et donc, bah, puisque c'était pas assez long avant, bah, on recommence avec celle-ci. Hein. On remet des petits carrés. Après, sur les autres, j'en mets que 5. J'en mets un sur chaque angle et un au milieu. Et ça suffisait largement. Ah, j'ai quand même fait la pause. Oui, ça va. Et pareil, donc vous allez venir le centrer sur votre papier glacé. Voilà. Et ça nous donne ceci. Voilà, avec un peu de hauteur. Le petit flocon qui viendra... Non, il viendra en bas, de toute façon. Parce qu'il y a plus de place. Voilà. Ça nous donnera ça. Donc là, on le colle. Toujours avec la colle. Hein. Après, je crois que j'ai mis... celui-là, j'ai mis de la colle, mais sur tous les autres, j'ai mis, il me semble, un morceau de mousse 3D pour mettre le flocon aussi un peu en relief. Et au milieu, donc j'y ai mis du glitter drops. Voilà, je les ai préparés donc la veille, tous les glitters, toutes les cartes que j'avais étalées sur mon bureau. Bah, d'ailleurs, ceux qui ont vu sur Insta, ouais, vous voyez mon bureau avec tous les menus. J'avais qu'une peur, c'est que les chats marchent dessus pendant la nuit, mais non, ça va. Ils n'ont pas touché, donc nickel. Voilà, ça nous donnera ceci. Donc, je suis contente, moi. Je trouve que c'est un bon rendu. J'aime bien ça. C'est bien dans les couleurs de Noël et tout ça. Allez, à tout de suite. Donc,
les voilà terminés. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait trois pochettes différentes, puisque bien sûr, j'avais pas assez de ruban pour faire les 54 pareils. Donc, j'ai utilisé les rubans comme ça, là, que j'ai trouvé, donc que j'avais chez Action. Bon, pas les rouges, hein, mais cette gamme-là, mais j'en ai plus, donc du coup, je peux pas vous les montrer. Donc, j'ai fait une pochette avec le ruban noir et les petites étoiles. Une pochette avec le ruban avec les petits flocons. Et une pochette avec le un peu rose, pas du rose gold, mais bon, voilà, du vieux rose. Et la dernière, c'est tout, je crois. Oui, non, voilà, c'est tout, je crois. Ah non, voilà, avec du doré. Donc, j'ai fait quelques pochettes où, au lieu d'avoir la petite bande rouge, elle est avec mes chutes de papier, parce que j'avais plus de papier rouge pour terminer. Donc, du coup, voilà. Ensuite, donc pour les petites cartes avec les menus, ils pourront les réutiliser pour mettre des photos. Donc, j'ai fait donc ma base de cartes sur du papier rouge. Ensuite, j'ai mis notre base de cartes-stock blanc. Ensuite, donc, mes petits papiers imprimés. Ici, c'est du papier à photo que j'ai découpé et que j'ai ancré. Et le menu que j'ai imprimé sur une feuille classique d'imprimante. Voilà, que j'ai ancré aussi. Dans mes chutes de papier rouge, j'ai perforé des petits flocons. Et sur le petit flocon, donc, j'ai mis du Crystal Drops. C'est celui-là, donc, que je vous ai montré tout à l'heure. Le nouveau Glitter Drops rouge pailleté, là. Rubis. Si je le lis à l'endroit, c'est mieux. Rubis Slippers. Slippers. Avec mon superbe anglais. Voilà, celui-là. D'ailleurs, entre parenthèses, ça y est, ils m'ont enfin envoyé ma commande de chez Mille et Une Création. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai passé la commande le 15 octobre. Voilà, le 15 octobre. À cette époque-là, c'était les délais de livraison étaient de 10 jours. Et donc, ils m'ont posté le colis hier. Hier matin, ou ouais, hier matin, je crois. Voilà. Donc, 2 mois. Maintenant que je sais que le colis est parti, j'avoue que la colère, enfin la colère, pas la colère, hein, comme on dit, après tout, c'est que du scrap. Mais voilà, l'énervement retombe. Donc, j'attends de voir l'état du colis. Après, il n'y a pas de souci, à chaque fois que j'ai envoyé un mail, ils m'ont répondu. Par contre, il faut les relancer parce qu'ils ne reviennent pas vers vous pour vous dire que les produits ne sont plus en stock ou qu'il y a une rupture de stock. Donc ça, j'avoue que j'étais pas très contente parce qu'au bout de 2 mois, apprendre que les produits que vous commandez ne sont pas en stock, ben non, on avertit les clients avant. Après, je veux bien qu'ils aient été débordés du moment où Vouchka est passé sur son stand. Ce qui est tout à fait normal, puisque bon, ça fait un impact médiatique hein, quand même. Je reconnais que c'est des super produits, que les prix sont hyper compétitifs. Mais bon, quand on s'attend à une livraison en 10 jours et qu'au bout de 2 mois, bah, c'est toujours pas là, je pense qu'on a quand même le droit d'être un peu énervé, même si c'est que du scrap. Voilà, avis à toutes celles qui vont pas être contentes de ce que je dis. C'est vrai qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. J'en suis tout à fait consciente. Mais bon, en même temps, il faut quand même faire attention à ses clients. Voilà. Donc, je pense qu'au niveau de la livraison, il y aura quelque chose à faire. Ou du moins, comme c'est Créa Luna sur sa vidéo qui le disait, prévenir les gens par mail dès que vous passez une commande, des délais de livraison ou des ruptures de stock. Parce que laisser les clients comme ça pendant 2 mois, je trouve pas ça très très correct. Voilà. Après, je sais bien qu'il y a les salons, qu'il y a beaucoup de choses que je sais très bien, je travaille aussi, hein, donc je sais très bien les aléas de la vie. Mais bon, voilà. Après, il y a une partie où il faut aussi faire attention aux autres. Et bah, quand on commande et que... Tu vois là quoi, on s'attend à un service et qu'en fait le service n'est pas du tout. Surtout que la commande a été encaissée le jour même puisque j'ai payé par PayPal. Voilà. Donc après, je sais, une précommande, on paye avant pour pouvoir commander
du stock et avoir des prix. Ça, c'est logique, j'en suis consciente aussi. Mais bon, voilà, enfin, bon, bref, ma commande est partie, donc je pense que la prochaine vidéo sera un haul 1001 créations et certainement une deuxième haul craftelier puisque j'attends ma commande qui n'est pas arrivée, qui devrait arriver aujourd'hui ou demain. Et voilà, sur ce, je suis super contente que mon colis soit parti. Voilà. Donc en fait, voilà, j'en ai commandé sur 1001 créations et donc je les attends. Donc voilà, en revenant à nos moutons. Donc la petite pochette, elle se présente comme ceci. Voilà. Et dedans, donc, il y a le petit menu. Et ce petit menu sera posé sur une petite rondelle de bois que mon beau-frère a coupé dans un arbre qu'il avait dû couper. Et elle sera posée, voilà, comme ça, dans un petit rondin de bois posé sur la table. Voilà. Bon, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné une petite idée. Je vous avoue que ça a été très très long parce que j'y ai passé. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai pas fait de vidéo du tout depuis plus d'une semaine parce que je faisais que ça. Entre le travail à temps plein et faire les menus, ça prenait beaucoup de temps. Mais bon, je suis contente du rendu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Et bon courage à tous ceux qui vont être au milieu des manifestations. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Tchuss! J'ai juste oublié de vous dire, voilà. Donc sur les 50, je me suis rendu compte que j'avais une carte où, vous voyez, à la fin, il y a vin et café. Donc sur une seule carte de tout le lot, il y en a une où ça s'arrête à bulle parisienne. Et l'impression vin café n'est pas apparue. Donc du coup, petite astuce pour pas la jeter, je vais faire un tout petit mini-album, enfin un truc pour offrir. Et en fait, ça fera un tirage au sort, puisqu'ils vont leur donner à l'entrée les menus. Celui qui aura le menu où il n'y a pas marqué 20 cafés, il aura gagné une petite bricole en scrapbooking. Voilà, juste histoire de. Je trouvais l'idée sympa. Donc ça fera un petit cadeau. Ça leur fait une petite animation parce que c'est pour un foyer du troisième âge. Et voilà, j'ai trouvé l'idée sympa. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et comme ça, je verrai si je le fais ou pas ou si je l'enlève. Voilà. Donc sur ce, voilà, je vous laisse cette fois-ci. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très très vite. Tchuss!